chat avec notre Jen & Jen Show. Jen & Jen Show. Et nous avons Peter Manager. Et puis ma gueule va le parler. Oui, je te le vois faire chaud, boy. Pas lit, pas le chaud, pas lit. Ah, prépare-le, oui, prépare-le. Bienvenue dans l'autre édition de Jen & Jen Show. Show parlant, tout qui a regardé nous. Et je salue co-animatrice, moi, Jen. Bonjour, Jen. Qui toujours a changé cheveux. Oh oui, cheveux ça a toujours changé parce que c'est passeport. On va nous voir, j'en voulais, on va regarder votre pigeon. Il y a des gens qui ont droit à aveugle qui parle, on est obligé d'y bailler, on va nous faire. Faut mettre précision. C'est ça, les gens, comprennent. Alors nous qui jodi ensemble avec nous dans l'émission, No Joy tout top, la émission Malheur, nous en émission nous tout rémé. Nous qui avec nous là, un groupe de l'heure. Un groupe vraiment qui a fait bon bagage dans la communauté haïtienne dans Montréal. Ça c'est un groupe No Joy tout top. Et là nous dit No Joy tout top, c'est slogan Jen & Jen Show. Alors n'a saluer groupe ça avant tout. Faut que moi dis nous tout si on monde pour comprendre qui j'ai groupe ça relé groupe ça c'est le groupe Jack and Castro. Yes. Alors nous va comprendre qui ça lié tout à l'heure pour ça. Alors bonjour Peter manager groupe là. Bonjour mesdames. Bienvenue dans Jen & Jen Show. Et bonjour Jack et bienvenue dans Jen & Jen Show. Bonjour Jen. Nous bien content le fait que nous ayez accepté l'invitation hein. C'est ça. Pour nous venir dans Jen & Jen Show. Pile bagaille pour parler, nous pas besoin timide monsieur et pas parce que nous en mitan deux belles femmes là pour obliger ouvert pour nous. On va prendre nous faire pour nous et puis nous va parler. Non, problème. Nous pas timide. Non, nous pas timide. Bon gros fait dehors, on vient là deux belles femmes chalet à monter. Oui, c'est ça vous aimez. Ça vous aimez. Je donne pas mieux passer. Pas mieux passer. Alors, moi-même nous déjà connais faut toujours saluer tout le monde qui a regardé nous. Que ou en Haïti, que ou ici Montréal, shout out to the people in USA, merci pour love là, et tout le monde Chili, Saint-Domingue, tout côté nous, merci pour love là, et continuez à l'abonner nous, à subscribe, bon petit cloche en l'air, depuis nous cliquer, nous avons tout bon bagage Jen & Jen Show. Au fin de parler Jen, et nous profiter saluer mon Haïti nous, malgré qu'on ait difficulté pour l'électricité, pour courant, nous toujours joué nos façons. Pour yo garder chaud parce que connaît chaud ça yo pas ka manquer et puis moun k'ap viv nan la cour Montréal yo tout même si Jen dit déjà moi même faut que saluer nous pour pas arrêter poli bien que connaît poli et puis nous juste voulais mettre une petite précision parce que nous là c'est Jackson man, qui avec nous mais groupe là c'est Jack et Castro même malheureusement Castro malade c'est peut-être ça le pas là exactement on l'autre fois ah mais dis-le qu'on s'en a obtenu, oui, dans Jen & Jen Show. Malade, pas malade, prochaine fois, folle là. Exactement. Alors, monsieur, yon l'autre fois encore, bienvenue dans Jen & Jen Show. Merci beaucoup, les filles. Alors, avant tout, alors, Jack, pas vlo timide, vle, on ressemble au monde qui timide, parce que pas comprendre, vous avez sentiment. Vous réservez. On est réservé, oui. Okay, non. Ouvert quoi? Oh, bah, ouvert comme là. Oh! Il est à l'aise! Alors, qui est-ce qui est Jack? Parlez-moi un petit peu de ouvert. Jack, c'est un ex de Montréal. Qui fait Montréal? Ça fait depuis. Ça fait depuis 15 ans après musique. J'ai commencé à faire instrumental, beat. Tu vois ça, yo. Et puis Casso lui-même, t'es qu'on chantait en anglais. Ok. Non, c'était Boy Wanda. Wow. Avant que la cunia les Castro, mais avant ça c'était Boy Wanda. Ok. Si on te connait faire beat monsieur, chaque fois, tu viens la caille, moi, tu es là avec beat pour lui. Tu as fait petit bail dans la caille, nous. Après ça, nous, comme si nous étions talent, nous avons fait plus sérieusement. Et puis, comme ça, Castro lui-même, moi, comme si il a bien passé, il a bien rappé, il me dit, regarde, nous avons fait tout. Après ça. Monter sur mes coins et puis même commencer en français. Après ça, lui-même, il dit ok. Il quitte l'anglais à son côté, il vient faire un groupe avec en français, avec Casso, rap français. Depuis 2007 jusqu'à 2017. La première là, nous faisons un switch, on fait rap créole. Depuis
février 2017. Bon, Peter, nous t'avons aimé qu'on est depuis, ça fait combien de temps que vous sommes manager et aussi pas juste depuis combien de temps et ça fait combien de temps tout que vous avez managé Jack et Castro? Eh bien, moi-même, je suis en compagnie qui est le P&R Management et puis nous deux là-dedans, puis pour Peter et puis R lancé pour Ralph, je vais là, je dis. Et puis, nous commençons à manager il y a 2 ans avec Jack et Castro. Et puis pour qui ça me commence à manager, c'est que ma gade et puis l'aime t'attendre de rap créole, pas de jambre mais rap créole. Pas de jambre mais rap créole, t'es sorti à Haïti, m'te trouvé trop sec. So l'aime t'attendre de negyo, ça fait en sorte que vin rem et negyo, c'est negyo te gon American flavor. Negyo te gon style américain là-dedans. Puis bon, moi-même, et m'fait Haïti, mais m'grandi ici, non, m'attendre de rap américain. So mélange ça de créole avec un style américain, il vin chercher. Puis les mapgars les nègres fait bail, ils me disent comme ça, ça veut nègres ont besoin d'équipe, mais sont tout devant nègres, ils me disent, yo monsieur, si nous voulons réussir dans la musique, faut une bonne Peter. Ou bonne tête ou aller. Oui, non, me disent nègres. Ou bonne tête ou. Non, pas bonne tête. On dit la vérité. Ou dit la vérité. C'est comme ça, monsieur, si vous voulez faire bail, faut jouer, faut venir avec. Nègres disent, ah ok. Et puis c'est ça, 2 ans plus tard. Et là, nous y est, dans Jen et Jen Show, sont nous arrivés. Jen et Jen Show, nous arrivés. Alors, Jack, travailler avec Castro, comment l'équipe a développé, comment former, comment mariage, là, en tout même avec monsieur, former pour nous travailler ensemble. Parce que assez souvent, les deux, nous travaillons ensemble, toujours, et pas en pile, toujours. Oui. Non, mais moi, ma Castro, ça fait longtemps que je connais monsieur. Ça fait plus que 20 ans que je connais. Oh, wow. Ça fait longtemps. Ça sent plus. Oui. So, là, nous faisons musique ensemble, c'est plus un passe-temps. Comme si nous faisons, nous chitons ensemble, nous avons bien, et puis nous écoutons beat, et puis bon, nous écoutons le refrain, nous écoutons l'autre. Puis nous faisons vraiment relax. Pas vraiment confrontation, comme si non, c'est mon café refrain, non, c'est mon café, pas de mal comme ça. Nous faisons, et puis. Habituellement, c'est moi-même qui me l'accueille moins, pour compte moins. Je vais mettre la musique et puis me faire le refrain. Même si je finis le refrain, je vais mettre Castro, je vais avoir 2-3 chansons. Je vais mettre et après ça, je même la Kylie, la écrit tout couplet. Habituellement, je pense que ça ne fonctionne. Yeah. C'est très intéressant. Oui. Intéressant. Bon, Peter, comment on dit qu'on s'appuie, ça fait juste 2 ans que on est dans le domaine, non? Mais avant ça, qui ça côté qu'on a fait avant? Ça c'est une belle question et c'est aussi vrai que vous ne pas connaître. Avant ça, moi-même, c'était un footballeur professionnel. Oh! Donc, j'ai joué au football et j'ai joué au football en France, en 2e division. Après ça, j'ai joué en Norvège et j'ai tourné aux États-Unis. Et puis, j'ai toujours une passion pour la musique là. Et puis, j'ai fait une émission radio qui était le GBC Radio, qui était dans le monde hip-hop francophone urbain dans Montréal. Là. Et puis, c'est ça, mais après ça, j'ai développé une passion pour radio, son pour radio, et puis avec compagnie, nous avons géré émission de radio, on a fait un peu de bagaille qui est dans la musique. Là. Et puis, c'est ça, mais nous avons vu que moi-même, son qui gestionnaire, moi-même, j'ai géré les bagailles, moi-même, que tout bagaille est bien fait, moi-même, son perfectionniste. So, c'est peut-être ça que. Et tout ça m'a fait besoin de faire propre parce que il y a 3 personnes ici dans Montréal qui a fait des dit haïtien c'est rancœur yo pas qu'on fait ci yo pas qu'on fait ça. C'est vrai. Moi même objectif moi c'est que les on monde relé pour un bagaille monsieur pas besoin connaissait haïtien milieu ou pas haïtien m'a fait bail là monsieur dit moi ça OK semble professionnel viens joindre moi puis là monsieur on dégage jet. Monsieur pas la dire rien. Il y a une belle français dans la bouche, une belle anglais dans la bouche. Et puis, on a bien passé. Oui, c'est ça. Et puis, l'objectif, c'est que ma PC est venue en. J'aime pas dire ça. Ma PC est venue en. Pas en vedette, mais en exemple, en modèle pour mon yo. Parce qu'il y a un petit jeune noir ici. L'aime petit, mal l'école. Moi, tout le temps, je suis parlé français. Tout le temps, je suis arabe, Nous-mêmes, haïtiens, nous avons mis à parler français. Je me pose une petite question. Je me dis qu'on s'inquiète, nous n'avons pas un modèle qui vit pour un seul côté,
qui pas peur parler créole, qui pas peur parler français, même si bon accent, même si que les malous, peu importe. On va demander si on a un gros problème à langue, à propre langue maternelle. Exactement. Et mais c'est une des raisons, tout nous même émission Jen et Jen Chouan, c'est pour ça nous faire la créole. Parce que nous pas voulu abandonner langue, non, parce que faut que nous soyons côté de sortir. Vous comprenez? Ça qui arrive, un petit mot français glissé, ça c'est normal, c'est naturel. Mais nous faire le plus possible pour émission faite en créole. Ouais. Alors, Jack. Yes. En tant que yon chanteur qui gagne plus de 10 ans sur scène montréalaise là k'ap chante. Alors m'dam ou parle de 10 ans expérience sur scène avant que ou te vin formé Jack et Castro. OK. parce que m'bezwen konnen comment on fait k'ap chante sous scène tout côté avant que ou vin formé groupe ça, est-ce que c'est dans l'autre groupe ou t'es ou bien est-ce que non, c'est solo? Non, toujours avec Jack et Castro, ça fait depuis 2007 ensemble. Mais il y a une grosse différence avec rap québécois et puis rap créole. C'est deux bagailles. Okay. Comme si m'pap dit que pot yo fermé dans rap québécois pour moi, mais pot n'a pas l'âge. Pas grand pile nèg qui ka passé dans pot ça. Et puis là ou dans rap créole là ou est ça avec moun moi. Avec Jens et Jens, avec ces mêmes gens avec eux, il est plus facile pour moi pour communiquer avec nous. Les OM ou on a un genre avec eux, pas dit on peut. Les blancs ou nous, moi, ma casse avec Pete. C'est tout cheveux, oui, ils sont exactement. Ils ont peur, mais c'est pour ça que le rap creole, il fait du bien à casse-toi. Exactement, sans l'autre bagage, sans l'autre vibe. So, oui, il y a une différence. Une grosse différence. Ok. Alors, bon, comme on se dit ça là tout à l'heure, moi-même, je continue dans le même sens là. Avait dit, à quel moment on vit nous comme si que faut vraiment transitionner vers rap créole là même? Est-ce que c'est par rapport à l'on a des jeunes en Haïti ou gens y a percé ou bien qui ça? En 2017, je ne connais pas vraiment rap créole. Et Chemaïla, je ne connais pas vraiment. C'est là que commencé avec PNR que nous commençons à explorer toute surface là et puis nous remarquer que gagne un gros scène créole Montréal. OK, gros marché pour ça. Ah. Yeah. Wow. C'est pour moi en tout cas, par contre si Pete te connaît, même pas te connaît. OK. Non, il bien dit non parce que il était plus dans rap bagaille montréalais, rap québécois. En français, c'est ça. Mais c'est parce que non seulement on fait ici ou plus de mentalité québécois. Exactement. Pourquoi tout le monde cap chercher racine nous-mêmes? Non, parce que non, c'est pas ça. Moi, c'est Haïti, c'est pas ça. C'est juste que français, c'est pour moi-même, c'est langue première, créole c'est deuxième. Oui, sauf fait ici, c'est vraiment c'est langue première. Quand même look, moi la parler créole, moi ça, moi ça. Pourquoi moi? So. Mais ça va faire les haïtiens parler. C'est correct, on dit ça. So, c'est ça vraiment. Moi ça. Mais Peter, monsieur, pas contre bon problème comme si pendant un manager, yo pas contre bon problème parce que et pour qui t'as sous qui t'es tout. Aïe. Oh, parlez-nous bien, oui là. Oh, regarde Peter, regarde. Parce que ça ne va pas, ouais. Il y a 4 jets blancs depuis me connais. Quel problème. Ah. On est dans une jeune chose, c'est vérité. Non, mais bon. On croit que c'est comme ça, pas bon mentir, dans les débuts, il n'y a pas de bon problème, mais il n'y a pas qu'on aime, on ne connaît pas. On va sur la fond créer en confiance. Voilà, on lien de confiance. Une fois que confiance l'en crée, on est juste à nous pas séparer. Parce que n'y a pas de travail, il connaît ma travail. Moi-même, quand je suis là, je connais Jack a fait musique. Ba besoin tant qu'on aime monsieur va dire bon pit ngon musique là dégage ou OK même pas besoin tant mais dans les débuts ba bon menti même m'a chercher bon monsieur nous on interview tel côté yeah ouais OK la vini a ton nèg yo si ça pas yo te comprend OK mais kounya non mais un problème avec yo et puis nous vinn créer une amitié mais nous vinn créer une amitié me vinn connait Jack kounya sur les Jack a dit mon ba me connait si monsieur ah, bah il menti, si monsieur, bah même bah, même si monsieur comme ça, yo Jack, nous dans le studio on a fini, depuis monsieur dit comme ça, yeah, depuis monsieur commence pas yeah, me connaît monsieur la caille. Sinon monsieur va dire comme ça, dans 10 minutes,
Là, je connais M. Ball là dans 10 minutes. Ah, ok. So, on s'en quitte. Hein? On s'en même déjà. Ah, mon chéri, non, j'ai dit, mais c'est même pas là. N'est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez une invitation dans tel festival? Ya, ya, elle te fait. N'est-ce que vous avez pas fait? Ok, ok. On, so, bon, amitié qui vient créer là, puis l'amitié là, puis tout le monde a fait tâche, yo. C'est ça qui est important. Moi-même, pas rentrer dans le Jack dit, ah, Jack, musique ça. Ou pas doué faire comme ça, doué faire comme ça, comme ci, comme ça. Ça, c'est pas domaine par moi. Moi-même, même temps de musique Jackie Castro, nous sommes fanatiques. Est-ce que moi aime la musique là? Oui. Est-ce que moi aime la musique là? That's it. Bye-bye. Et conseil technique sur la musique là. J'en ai pas dit qui j'en pour faire travail moi. Mais depuis nous-mêmes, nous faisons tout le travail nous. Sky is the limit. Like wow. C'est vraiment important. Bien. Mais moi-même, comme si, étant donné, c'est depuis 2017 que nous commençons dans. Plus à chanter en créole. Peter, qui ça ou te oué dans Jack et Castro te poussé ou pour te dire ah, monsieur, plutôt ne faire la créole? Faut qu'on bagaille ou oué dans you. Ben, moi-même, je me te dis avant, je me te dis une émission radio et pop. So, je me te dis que vous avez fait la français. Ok. Puis, je me te dis que vous avez déjà fait la français. Ah, ok, ok. Pour qui ça, pour une seule raison, parce que vous avez. Je suis sorti dans l'Ouest Montréal net. Puis moi, je suis vivre avec tout le monde qui est dans l'Est. Puis, il y a deux seuls rappeurs qui sont dans l'Ouest, c'est Jackie Castro. Et puis, Jackie Castro sorti en musique, il dit bon, ça c'est tout l'Ouest qui sorti en musique. Les gens qui viennent en créole, c'est là qu'il me dit bon, là, je suis manager. Pour qui ça? Parce que j'ai toujours oublié manager. Mais tout le monde qui vient chercher pour manager, il a fait rap français ou il a fait rap anglais. Et moi-même, je me dis qu'on s'inquiète. Si je commence dans le manager, je ne peux pas rentrer dans le marché rap créole. Je ne peux pas rentrer dans le marché rap anglais. Pour qui ça? Parce que pour moi, le marché est trop gros. Il est trop vaste. Là, je me dis comme ça, bon, en allant dans le marché rap français, là, je me dis, qu'est-ce que marché rap français, il y a rap québécois, il y a rap français, il y a rap belge. Là, je me dis, qu'est-ce que marché ça gros tout. Mais rap créole, je me dis comme ça, qu'est-ce que ça son marché que peut-être ça fait. Il y a rap créole depuis longtemps ici, mais peut-être que ça fait 5 ans ou 6 ans que. Il s'est dit, mais yo pas impossible, on ca joindre Woody Woodboy, on ca greler Woody Woodboy, on va featuring. Essayer de joindre Jay-Z. Essayer de trouver Jay-Z pour faire featuring avec Jay-Z. Ça c'est sûr. So, on pas dire impossible, mais il cap comme 20 ans et puis on t'a menti négro, on t'a dit négro, yo monsieur, hier nous pas joindre Jay-Z, mais c'est pas vrai. Tandis que là dans la créole là depuis on dit négro monsieur, si nous travaille fort, si un bon plan sur 5 ans par exemple, première année c'est comme ça, deuxième année ça c'est comme ça. Troisième année, on a privé là, quatrième là, cinquième là, nous supposé là. Ok. Et puis, that's it. Et puis depuis, on a suivi le plan. Regardez, on a un challenge en sort. Question d'arrivée, je me demandais, pour qui ça, musique, nous, on a tout bêtis, ça, on a dedans. Pour qui raison? Expliquez au public là, parce que, bon, on connaît que tout le monde, des fois, que mettre des rap, tout est adolescent. Dans mes connaît, pour qui ça nous choisit, mettre en pile bêtise dans la musique rap, nous yon. Comme vous dites, Alors, bonne autre explication sur ça, non? Parce que le public le tarme est connaître. Premièrement, moi, je grandis sur la musique américaine, Wu-Tang Clan, Little Man, Jay-Z, Nas, Biggie. Cap Dile, les vrais affaires. By Dile, by Volé. Ok. Et puis, je ne pas dire quand même. L'aime tes petits, je te parle d'un enfant de cœur, au moins. Tout le monde, nous avons petit vécu. Nous faisons pas qui passe ça, nous changer. Alors, ça n'a pas été enchanté, c'est la réalité, nous.
Ok. Au moins, à l'époque. Okay. Ah, exactement. Okay. À l'époque. Oui, il faut bien préciser. Oui, faut préciser. Bien préciser. À l'époque. Oui, à l'époque. Sur la première, la PCF a fait un changement tout. N'a pas quitté rap, trap, l'an de côté print. C'est ça, l'an d'avant, parce que la musique nous plus trap. Exactement. N'a pas commencé à quitter ce côté, puis n'a pas commencé à faire sujet pour mesdames, pour tout le monde, pour la société, tout le monde. N'a pas privé, juste sans transition à faire. Mais pas inquiété. Si je peux ajouter là-dedans, c'est que, pour nous connaître que dans le milieu du hip-hop, on va être très important, si ou même son artiste hip-hop, c'est for real. Ça veut dire tout ce qu'on va chanter, force la vérité. Ça, si les si fanatiques jouent que ça va dire et menti, ah, Kayo fini. Non, ça, ça fait... dit, c'est vrai parce que nous, elle, avec l'autre artiste, soit américain, même artiste ici français, depuis qu'on prononce un petit bagage sous, il y a pas vidéo. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a pour essayer juste pour qu'à. Pour qu'à monter. Exactement. Juste pour qu'à monter. Mm-hmm. Exactement. Mais qui objectif nous gagner? Côté nous t'a arrivé avec rap créole Jack et Castro on top même genre avec Jen and Jess on top Jen and Jen oui bon many ok ni bien parlé on pense surtout la maison mais pour nous viser l'excellence pour nous kembe ballon oui Jen pas Jen alors nous t'aimer vraiment arriver au top et puis pas juste à jouer juste Montréal pour nous à jouer tout côté tout l'autre côté pour réclamer nous pour t'inviter de nous pour aller chercher nous pour exactement normal j'aime dire négro toujours c'est que ouais différence parce que on marche la créole ici Montréal on petit marché mais quand même il y a des qui fait la créole oui la mais puis de plus en plus moi la oui exactement avant la créole là pas y a pas de balle importance que j'en viens gagner importance pour rien c'est toujours l'autre gros diaz ou aller chercher l'autre côté venir jouer mais depuis quelques temps ouais la que là vraiment à prendre place dans le milieu. Et ouais, ça me dit négio me dit ouais monsieur différence que faut nous gagner avec l'autre yo c'est que nous-mêmes nous voulons faire ça pour vivre. Ça dit chaque fois me déplacer mal en côté pour négio faut me faire ça pour vivre. Moi me laisse faire ça que comme la rentrée m'pas besoin faire un rien on pas aucune autre bagaille juste ça besoin faire. Ça c'est différence là parce que mon objectif c'est ma travail fort pour me faire ça seulement. Tandis qu'il y a l'autre monde, il y a l'autre rappeur qui ont même fait ça pour le plaisir. C'est correct tout. Non, je suis d'accord. Mais nous même nous pas dans plaisir, ça veut dire nous déplacer nous en spectacle. Et puis il y a problème avec promoteur parce que monsieur pas payé aussi ou ça. Moi même c'est travail, ma travail. Oui, n'a passé nuit, n'a ou même moi passé nuit pour écrire Jack et puis ou même moi passé nuit Peter pour vraiment penser pour négocier chercher contrat pour yo, c'est vraiment dur là ouais que vraiment me comprendre ça dit hein, pour aller jouer bien loin ou bien on contacte et puis ouais que moi ça pas les payer. Et puis faut gaspiller temps, gaspiller courage ou est-ce qu'on travaille du pour ça? Exactement, oh, c'est ça l'objectif, c'est que nous même nous voulons faire ça pour vivre. Non. That's it. Et moi, en tout cas, pendant que Wab dit voulait faire ça pour vivre, moi-même, il faut que je me montre pour tout le temps qu'il y a des mots. Ça, c'est pas sérieux. Vous comprenez? Oui, l'homme mène un bagage professionnel comme ça. Bel bagage. Bah, où, vous comprenez? Qui sort à dire? Hein? Ça, c'est pas un autre jour tout le temps. Oui, oui. C'est ça, non, mais c'est vrai parce que le un bagage professionnel à faire, il faut qu'on dise, regardez. Hein? Nous avons venu mener tout ça. Ça veut dire, même si vous ne connaissez pas l'artiste avec ça seulement. On ne va pas connaître. Exactement. Alors, félicitations. Bien présenté. Bien présenté. Merci. Et moi, que nous sommes qui. Moi, groupe là. Les voyages, oui. Non, mais en 2017. Yo participé dans plusieurs, yo fait plusieurs spectacles. Donc pour la moue festival Compas Zouk en Ontario, yo t'ai lancé mixtape Diaspora Laval. Comme vous comprenez, gain plusieurs côtés que yo allé, Drummondville, Cowansville, vous comprenez? Cowansville qui entre Ottawa et Montréal, ça veut dire yo voyagé. Regardez jeune. Vous comprenez fait que comme si tout contrat ça yo comme si c'est toujours même Peter qui toujours ou arranger ou qui comme si juste ba nous petite explication qui gens ou arriver joindre tout contrat ça mais groupe là j'aime te dire en son question de volonté de un
Et puis de deux, son question fort bon plan. Et sous en 2017, objectif. Si nous t'es dit, bon monsieur, nous allons à Haïti. Bah, menti, nous pas parler pour aller à Haïti. Et nous faisons que nous commençons à créer, nous pas qu'à descendre à Haïti. Sur ça, nous venons arriver, c'est pour nous commencer à prendre expérience tournée, expérience faire spectacle. Exactement. So, nous dans Québec, c'est so, ça qui était plus facile pour moi, c'était faire spectacle dans Québec. Mais avec des filles que me dit nèg yo, même si moun yo pa konnen parole yo pa comprendre créole, objectif plan c'est que juste avec énergie n'a dégager pour nous faire moun yo danser. Oui. Et puis une fois nous faire ça dans ville Québec ou Wentzville tout ça, moun yo a dit oh Jackie Castro bagay. Là, me dit OK, nèg yo gen énergie, nèg yo konnen, nèg yo travay fort bagay. Là kounya nous met à l'international. So là nous commencer contacter FKZO, si ça. Mais rap créole on bagon rap créole. Cela nous oblige à trouver une façon pour yo accepter nous et puis seule façon nous ka faire c'est être professionnel. So depuis me voyer ba yo du professionnel, mon qui recevoir dit comme ça, oh, ça semble c'est et pourquoi c'est rap créole vrai? Ah non. Il trop bien présenté. Il trop bien présenté pour c'est rap créole. Et puis ensuite de ça, là yo nous venons dans festival, là yo ba malais. On est content, festival gain bon feedback et puis il y aura les nous l'année prochaine et puis peut-être ça négio aller dans prestigious Asian Music Award juste miad. C'est bon Peter, moi-même t'as rien mais connais pour Music Award là qui t'est fait Miami parce que son Music Award qui est quand même prestigieux que on fait à chaque année. Expliquez-nous qui genre ça t'est passé. Ah, c'était une belle expérience. Imaginez-vous nous un groupe qui sorti Montréal qui fait quelques spectacles dans Québec et puis nous réussi pour performance dans award dans l'autre bois. So tout le monde était content, nèg yo était content, contact nous fait parce que nous vinn rivé nous là nous dans HMI là moi Mika Ben moi tout nèg ça yo me dit quel ça c'est des yo monsieur nous là comment la bouille nous là. So nous fait belle contact. Son fierté. Moi même en tant que manager, fierté me te gagne c'est pour ta wè nèg sa yo men. Don nèg dreadlock ça cap bon ça yo. Nèg yo yeux yo comme ça, yo sous scène a fait entrevue tout ça. So bon belle feeling. Wow, belle bagaille. Mais jusqu'à date combien album groupe la sorti? Bien que moi quelques musiques nous sorti, en pile musique n'est pas plus de 13 musiques. Nous faisons 12 chansons en mixtape, 6 fois 12 en français en créole, on mixtape qui est la diaspora, et puis la kounya la diaspora 2.0 nous gagne 10 soulés. OK puis, mais et puis en banque c'est moi m'a découpé non mais c'est un seul album ou bien deux albums nous gagne ça fait deux ça ça parle fort deux pour 2019 là. Exactement. OK c'est ça ça fait 10 titres soulés préciser oui. À compile belle feature là-dedans. Oui, parce que moi me forme parler de featuring ça, moi même entend des musiques très belle musique qui va sortir en 2019 en featuring avec une fille. On bon, son artiste franchement qui tellement bon belle voix qui relé Magdala. Parlez-nous Jack de featuring ça qui genre collaboration ça vient arriver. Exactement. Est-ce que nous connaissons que c'est première fois nous gain doit parler de chanter ça. Ah bon. Ce sont exclusivité nous. Oui, challenge la jeune jeune. Challenge autant de chanter à ou peut-être juste sixième personne qui tente de chanter. Oh. Eh ouais. OK. Premièrement, beat ça c'est pour Magdala lié. Premièrement. C'est Magdala qui checker nous Marc Castro dit comme ça est-ce que nous ca faire un bail sur track ça sans problème. D'accepter l'invitation et puis nous faire. Mais ça, son malais, c'est. Oui, son c'est son rire, c'est souffrir l'amour. Souffrir l'amour. Parole, yo, vraiment, ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu t'étends des bêtises là-dedans? Non, 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 c'est ça, pas vraiment. Non,
modérer bah yo comme ça tout ça vient permettre que nous cherchons l'autre public tout qui est un petit peu plus classique qui paraît mais gros bah et tout ça yo comprenez il y a chercher public tant qu'on nous oui. Les femmes oui, faut que nous dire parce que le plus souvent en tant que fille noire ou des fois ou gen noire pas vraiment attiré à musique trap là mais depuis gon featuring on prend un petit bit là, on dit, ah, oh, c'est un petit bit sale, pas mal. Nous venons réaliser que les gens ont tourné et puis nous fait trap. À la fin du spectacle, tout le monde qui vient chercher autographe, c'est garçon. Là, nous changer style là. Nous pensons une fois, nous jouons musique ça dans le festival et des Antilles ici à Montréal. Oh, bon line-up fille comme ça. Les gens disent, bon, là, fais chanter comme ça. Vraiment ça, vraiment. Pour l'album là, nous avons l'autre chanteur avec Magdala. Qui est le Netflix and Chill. Oh, ça me content de les jeunes qui ont parlé. Oui, il y a Netflix and Chill. Magdala a chanté ça, il fait un bal qui n'est pas jamais fait avant. La rap. Bon. Ha! Je baille sur les propres places. Non, pas propres places, moi. Non. Il vient de côté. Ah, ok. Il me rappelle à FM. Pas mal et net. L'aime t'a parlé de esprit d'équipe collaboration. Mm-hmm. Bon, souffrant, mon chanter ça, Magdala, il est négio. Il dit qu'on ça bon, mon sujet, chanter ça, bagay, négio, adapter, yo, fait chanter. Là, nous, nous dit qu'on ça, ok, la fois chanter Netflix and chill. L'aime Magdala venir, il dit, mais la kounia, on va faire le genre nouveau. Sauf so, au rap. Rap, c'est il dit comme ça, rap, ok, pas un problème. Oh là, go bye, bow, madame. Mm. Oui. Oh, ah ouais, ouais, ouais. Rap, c'est zi, je jure. Ok. Oh, wow. Rap. Mais est-ce que pour même Jack, est-ce que vous êtes à l'aise si vous êtes sur scène, vous êtes sur chanter en musique, en compas, vu que c'est rap, est-ce qu'on peut chanter compas? Chanter, oui. Compas. Oui, mais chanter, oui. Oui, mais chanter, oui, même. Je toujours allé bien. Mais vous êtes pas chanter, oui. Parce que là où on rappe à chanter musique compas, ouais. ça c'est un gros dolier, c'est un bagaille normal, oui. Et ça qui est un chanteur, tout. Et pas... Mais il y a quelqu'un qui dit l'homme n'a pas rappé, il n'a pas chanté. Menti. Là où démenti, mon ça. Oui. Parce que assez souvent, tu as dit depuis que tu as rappé, tu as chanté. Parce que rapper, c'est comme si son message va pas là au monde ou pour ton message. Mais chanter, c'est un gros mot. Pas qu'on chante, ça c'est un gros mot. Mon café mélodie. Mélodie. Oh, chanté, oui, c'est pas une sérénité, on a vibrato, on a café vibrato. Non. Par exemple, ok. Nous pouvons arriver dans ça, non, mais par exemple, ok. Si m'ta mando choisi n'importe quelle musique qu'on parle mon phrase là de là pour moi voilà de par rapport à mon capable hein voilà oui une belle phrase pour bien sortir pour moi qu'à comprendre là une musique m'en vient non non bien parce que mes yeux ouais non sous scène de pas faut un petit bail OK m'en vient On va chanter, oui. Feeling ça tellement belle, même pas quitter l'allée. Bon vivre, non, Kimi, là c'est pour se faire. Moi, je m'adore pour faire la musique, là, je vais faire Peter. Allez. Mais il faut me suivre, Tim. Non, bye. Commencez. Ouais, non. Qui te maille, pas qu'on est restant. Depuis, moi, ben, chérie, m'a fait crier. Non, regardez d'âge. Parce que, dans une jeune show, nous aimons mettre à l'aise. C'est ça, fait là. C'est fun. Parce que nous mettons à l'aise, nous mettons dans vocation. Là, c'est comme si vocation a bloqué derrière. Là, mettons dans vocation, on va là. On n'a pas avancé, non. Dans mode rigolo. N'a pas avancé. Alors, moi-même, album ça que nous allons sortir en 2019. Parce que c'est, moi-même, d'après ça, moi, c'est.
dans le printemps 2019 là, que nous supposons la guerre. Pour qui ça que nous choisirons la diaspora 2.0? Ça, c'est un autre mixtape. Ça, c'est un mixtape qui a sorti en début 2019. Okay. Et puis, l'album, la nouvelle guerre. Ah, non, non, pour mixtape et un album? Oui. Wow. Et de Baron Café. Nous avons des bagages pour nous côté faire public leur content. Hein? Ah, oui, mais. L'album là, solide. Je suis saisi. Et là, ouais, tout le monde a un album ça. A dit guerre. Alors, son album, mais ok. Pendant pas les deux albums là, oui. Est-ce que son album côté que nous même fille comme si que game musique comme si dans style ouais. musique tant qu'on fait avec Magdala parce que tout à l'heure on dit ou grand pile featuring. Mm-hmm. Ouais. Alors est-ce que n'a joué une musique comme est-ce que c'est juste Magdala comme fille qui feature un album non bégué l'autre fille. Quelle autre fille. On voulait bailler non, on a quitté surprise d'accord. Bon, là faut bailler, OK, au nom de Piano Management et Jackie Castro. L'album n'a pas le sorti. OK, on va le tourner ici. M'a posé nous en question. Et pas bon mentir non, m'a dit nous comme ça, est-ce que gon chanter dans album là que nous toujours tendre qui sous repeat ou qui dans téléphone nous. OK. Si nous dit non, m'a pas acheté un bouquet de fleurs pour chacun. Oui. Si avec une bouteille du vin. Si nous dit non, si nous joignons dans le téléphone, pas bon chanter Jackie Castro la dedans, nous pas tant de chanter Jackie Castro la dedans, m'a pas acheté ça. Et si nous t'aide. Pas bien. Non, pas bien. Parce que me connais la chanter. Avec vous pas acheter ba elle ba. C'est vrai. Non, parce que me connais l'album là, me connais l'album là tellement puissant la gagne. Ok. Femme de mentir. Mais, n'attends, nous faut tourner. Faut qu'on tourne et laisse aller avec Castro, avec nouveau album. En tout cas, moi-même, déjà prêt, oui, Jen. Pas comme vous, moi-même prêt parce qu'on connaît musique, ça y est, l'été, ou descend de machine. Bonjour. Bon, on y a là, nous tellement des questions pour nous, beaucoup de questions que je pose là, et faut me poser une question pour moi si je n'ai pas répondu. Vous avez le cœur sous biscuit? Mais non, moi d'aller. Bon, ok. Ah, c'est moi timide, oui. Moi timide même, ok. Le va performer, je vais une question, je n'ai pas besoin de ça encore. Le va performer, est-ce que ça a déjà arrivé ou que vous avez un fan? Qui devant là cap enjoy cap prend plaisir dans musique là et puis cap montre que li believe ça cap fait là et puis après soirée fan ça vini li dit qu'on s'appelle ta remet al passe une nuit avant est-ce que ça déjà arrivé et comment réagir jamais pa bay menti là oh mon grand madame oui. Ah bon, monsieur Guerre son te fricat là. OK. Ça va jamais lui faut. Non jamais. Mais approche tant que doit faire pour refuser là. Oui, ça arrive rien pas voilà. Aussi. Vu qu'on connaît bon monde, on respecte tête pour dire monde pour dire pas non, désolé. Exactement. Voilà. Ah, mais bon forme. Ne creuse comme babe, je fortune, besoin assez pour marcher en belle car. Comment m'en clôture les caméras? Vous me faites surveillance ou pas, j'aime trop prudent, blé mitraillette. Adalpite, c'est pour me la gros femme, les avocats, machin.